Oui. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas vérifié au début. Enfin, si, moi j'ai entendu du son au début. C'était le générique? Non, 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 le bonjour de. Ah, là, il y a du son, je crois. Ouais, je m'entends. Ouais, mais non, ouais. Un petit mauvais réglage. Mais du coup, il devait y avoir la musique de Rollist. Ouais, du coup, quoi. Ok, bon, bah, on va direct à la tente. Moi, je te suis, hein. De toute façon, t'es le Taïssa. Bah après, MJ, je sais pas ce que tu veux gérer d'abord. Bah, c'est pareil pour moi, hein, vous me dites. Hein. Si tu veux commencer, Ida. Alors, on va faire Ida d'abord. Très bien. Et après, on fera Ikoma. Une recherche des indices sur le cadavre. C'est parti. Donc du coup, bah, je vais d'abord faire le tour des ennemis, histoire de voir s'ils connaissent déjà cet ennemi qu'on a trouvé bah, mort. Oui, ils le connaissent. Oui, bah, il était là depuis un moment. Shui Dono, un ennemi te dit, oui, bah, on l'a vu avec nous. Hein. Après, il était gentil comme tout, et actif, tout solitaire, mais pas méchant. Mais bon, il y a quelques émines qui et états qui sont solitaires, mais bon, ça c'est leur condition. Hein. Je crois qu'il y a aussi quelques autres émines. Voilà, il y a Teruki aussi qui est très discret. Je le voyais souvent de temps en temps avec Teruki. Mais Emin décédé, je comprends pas. Que vous pensez qu'un samouraï se serait pris de colère contre lui? Je pense juste qu'il était dans une caravane où il n'y a pas dû être. Et du coup, vous pensez qu'un samouraï l'aurait permis de rejoindre l'ordre céleste? Pourquoi un samouraï, forcément? Tout à fait possible. C'est Emin qui parle. Je peux vous aider à quelque chose d'autre, Ida Konyudono. Oui. Montrez-moi où cette émine dormait. Bah, dormir, là, on vient de s'installer, mais je peux vous montrer le reste de son paquetage, si vous voulez. Ça m'ira parfaitement. Bon, il t'emmène, puis il voit qu'il cherche un petit peu. Je comprends pas, les affaires, normalement, auraient dû être posées là, et on voit juste un ou deux bols, mais quelques vieux vêtements, mais... Là, normalement, il avait plus. Dakonyu-sama, je ne retrouve pas. Donc, il est à jour quand il dit ça. Je ne retrouve pas ses affaires. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Dois-je faire fouiller les cantines des autres? Ah, c'est toi qui vois. Tu poses la question à lui. Non, mais c'était. Ouais, pour voir si. J'essaie d'intimider un petit peu, histoire de voir comment il réagit. Ah, mais clairement, il est intimidé. Hein, je veux dire, T'es la bouchée phénix, hein, il va pas te mentir, hein. Tu sens que. Il n'a pas envie de te mentir, hein. C'est pour ça qu'il est à genoux, il te dit je sais pas ce qu'il sait, je sais pas où il est, je veux dire. Oh, lève peur. Bien. Où puis-je trouver ce Teruki? Je pense qu'il doit être en train de préparer les tentes ou les cuisines, tu vois. Et que je le cherche. T'as connu de nous? Non, je vous accompagne. Je vous suis. Ok, bah tu le vois demander à Gérard, à Michel, dans l'idée. Eh, vous avez vu Teruki? Oh non, j'ai pas vu Teruki. Ah, t'as vu Teruki? Oh non, j'ai pas vu Teruki. Oh. Voilà. Donc tu me lances un jet d'enquête. Je te dis pas les quiproquos, c'est qui Teruki? Bah Teruki qui? C'est parti quoi. Bon, du coup, je prends un point de vide pour l'enquête. Parce que j'ai pas la compétence. Vas-y. Ouais. Faudra l'acheter un de ces quatre. Hein. Je pense qu'on en a pas besoin. C'est clair. C'est quel attribut enquête? Perception, je crois, non? Là, ça va être perception, ouais. Parce que tu.
Le trait de départ peut changer hein, selon par exemple que. Bah, oh putain! Oh! Bah, il a 5 ans de perception. Hein. Ah ouais, ouais, pas mal hein, quand même. les 2 10 là. C'est un bourrin. Ok, bon bah tu vas descendre dans la maison de Gaïcha avec moi. On va parler. Ah, ok. Ah merde, il faut que j'envoie le micro. Oh là là. Oh non, faut que je me lève. Arrête de faire la cuisine en même temps. Bah, je fais pas la cuisine, je me repose dans mon plumard. Il fait la sieste. Ok. Alors, voilà, Captain. Voilà. Donc, du coup, bah, tu vois, il y a un émin qui dit: ouais, attends, je l'ai vu aller là-bas, etc. Et t'approches, il y a donc le émin te demande s'il peut disposer. Bah, je lui demande qu'il me montre le Teruki, exactement que ça. Voilà, c'est, bah, il te dit, bah, voilà, c'est vers là-bas, un des mecs a dit. Bon, bah, il t'accompagne un petit peu. Et en fait, tu vois que le Teruki a l'air de s'être isolé, en fait. Et en fait, là, tu vois une sorte de petit campement légèrement caché derrière des tentes. Et tu vois en fait, et lui il est si surpris, en fait il y a tout un petit matériel. Parce que, et tu commences à regarder, et clairement ouais, ça sent les trucs pas très nets. Tu vois, genre des plantes qui ont un peu bouilli dans un petit pot. Tu vois, une lame à côté. Ouais, il est en train de faire de la... T'es chelou quoi. Ouais, dans l'idée c'est ça. Enfin, tu vois, tu sais pas ce qu'il a mijoté, mais clairement il s'est isolé pour faire un petit feu. Il a fait bouillir quelque chose. Tu sais pas trop quoi. Bon bah, je m'en vais lui poser la question. Mais clairement, ça sent pas très honnête. Je m'en vais lui poser la question. De le boire ou pas son thé ? Non, non. Je renifle. Enfin, d'abord je lui pose la question. Teruki. Et tu vois que en fait les bagages sont là, il est pas là en fait. Tu as juste vu en fait la préparation. Et tu vois quelques traces qui va vers les tentes, on va dire de Shui. Et long pas, enfin tu vois, enfin je dis vers les tentes de Shui parce que tu les aurais suivis un peu vers là-bas. Mais clairement tu vois par contre plusieurs sacs, dont un sac à lui et un sac qui est pas à lui. Et tu fouilles les sacs ou pas? On est autorisé à faire ça en tant que samouraï? Tu fais ce que tu veux en tant que samouraï. Hein. Bah, clairement, jette un coup de dedans vite fait alors, quoi. Sans devoir bah, se dedans. Tu vois des plantes, tu vois des tentos, des couteaux, et tu vois que le type qui t'accompagne, le mine, il est complètement blanc, quoi. Pour lui, voilà. Tu vois qu'il y a pas mal d'ustensiles, du travail d'écriture. Il y a quelques lettres un peu écrites, d'autres brûlées. Il y a d'avoir quoi d'écrit dessus? Attends, faut que je réfléchisse. Hein, faut que je réfléchisse à quelle information je te donne du coup. Tu as tous les noms des Shui et de Taïssa de la 13e Légion. Là, ça devient louche, effectivement. Il n'y a pas d'instructions les concernant? Alors, genre, à surveiller, à empoisonner. Tu vas pas tous les avoir. Tu vas l'avoir tous sauf toi et comment il s'appelle Eshuba. Mais t'as tous les autres Shui et Taïssa. En gros, il reste Doji et Ikomakae, quoi. C'est curieux. Non, parce que les tiens, en fait, étaient n'étaient pas soulignés en rouge, en fait. C'est ça que tu te dis. Excuse-moi, j'improvise un petit peu. Là, tu vois que il y a par exemple Doji Ito qui est souligné en rouge. Attends, je prends des notes. Hein.
Mais il y a quand même ton nom qui est écrit dessus, ainsi que Shuba. Mais c'est juste Lord qui est un peu... Curieux, les gars, je l'ai pas vu une fois, j'ai pas vu de type se promener. Enfin, ouais, tu sais, ça émine, hein. Tu passes pas ton temps à regarder les émines, ils se ressemblent tous, ils ont la gueule sale de temps en temps, je veux dire. Du coup, j'essaie de suivre les traces, j'ai suivi les traces un petit peu plus loin, histoire de voir si je peux trouver le copain. Je te fais pas faire un G parce que t'as fait un super G. Et tu arrives à une certaine distance et tu vois une ombre clairement derrière la tente de Doji Ito. Est en train d'ouvrir en fait la tente avec un tento, voire rentrer. Clairement, ça fait un peu assassin. Ah bah, technique close combat et Wata! Au moment où tu vas crier, tu cries, hein, je pense, pour foncer. Non, je crie pas, justement. Bah non, justement, non, discrètement. Okay. C'est, je m'apprête à lui foutre un grand coup en fait pour le neutraliser, quoi. À ce moment-là où tu vas vers lui, la personne, donc t'as pas vu, hein, elle commence à rentrer la machin. Et tu vois une ombre très rapide qui arrive dans son dos, chlac, tranche la gorge. Une ombre un peu masculine, on va dire, voilà. Après, elle balance un coup d'œil vers toi. Tu vois juste, on va dire, un œil lumineux, etc. Mais il est plutôt, ça se passe dans l'ombre un petit peu, et s'enfuit en courant. Mais de façon discrète, hein, j'entends. Bah, j'essaie de le courser. Voilà, tu vas me faire un jet d'athlétisme. De perception. De perception ou d'athlétisme ? Perception, parce qu'il essaye de se cacher. Je peux utiliser la compétence chasse ? Ouais, c'est une traque. Non. Attends, c'est dans les zones urbaines, donc tu vas être athlétisme, parce que tu peux pas utiliser de chasse, parce que là, tu es dans le camp, en fait. Là, le mec essaie de passer, en fait, du coup, faut esquiver les tentes, les machins comme ça. Oui, ça marche, ok. Après, tu peux appeler les gardes, hein. Tu étais quand même dans le camp de la 13ème Légion, hein. Je veux dire, c'est autre chose. Mais en même temps, ça peut à la fois t'apporter de l'aide, comme ça peut te gêner. Bah, c'est pour ça que j'essaie de choper tout seul, quoi. Donc, vas-y, je peux te faire un jet je vais te faire un jet d'opposition quand même. Ouais. Donc, là, t'as fait perception plus athlétisme, lui va faire agilité plus athlétisme, parce qu'il essaie de se barrer. Bah, moi j'ai fait 35, j'ai fait le mien déjà. Oh, c'est bien. Donc je fais le sien. Hop. Oh, il n'y a pas assez gros écart. Donc, pour l'instant, il te bat. Il t'a battu combien ? Ah, il faut qu'il y ait au moins un écart de 5 pour que tu le perdes. Bah, écoute, t'as le droit à une deuxième chance. Toujours le même jet si tu veux. Ah, je t'ai pas demandé tout à l'heure, c'est vrai que j'ai le droit d'utiliser le Seven Fortune Blessing, tu sais, la touche de Bishamon, qui dit que j'ai plus 1, j'ai 0, j'ai de force. Oui, mais là, tu n'utilises pas de la force, là, tu utilises la perception. Ok. Ouais, j'avais utilisé la force avant, en fait. Ah, d'accord. Mais t'es trompé. Donc là, il continue. Jasmé. Par contre, t'as pu repérer une chose. Putain, le sauvage. Ouais, non, mais je sais qui c'est pour ça. Bon, par contre, oh putain, il a vaché. Donc, ce que tu peux remarquer, c'est que t'as remarqué, par contre, qu'il était pas un jeune, plutôt bien bâti. Tu n'as pas vu son visage. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que t'as pu voir de lui? Alors, t'as pas vu son visage, mais t'as vu sa carrure. C'est quelqu'un, si tu veux, qui est athlétique. Mais t'as vu quand même quelques traits, donc c'est pas un genou. Tu vois, tu pourrais pas dire quel âge il a. Ouais, la force de l'âge, quoi. Ouais, il a quand même la force de l'âge. Hein. Il est plus vieux que toi, mais clairement, et dans le regard que tu as vu quelque chose que tu ne vois pas dans un. Si tu veux, vraiment, t'as vu quelque chose, je veux dire. Pour toi, ça fait plus quelqu'un qui est entraîné ou samouraï ou quelque chose comme ça. Enfin, tu vois, tu sens qu'il y a, une puissance dans le regard, en fait. Ouais, c'est pas de l'émine, quoi. C'est... Non, ouais, clairement, c'est le genre de regard, tu sais, quand t'es un samouraï de haut clan qui regarde un autre, si tu veux, rien qu'au regard, tu fais baisser les yeux. Mais si tu veux, quand tu l'as surpris, quand il était en train d'égorger quelqu'un, t'as juste vu un œil, si tu veux, là, il t'a toisé du regard, mais clairement...
jamais Aimi, un état ne serait capable de faire ça, tu vois. Il n'y a qu'un samouraï, okay. etc. La seule, tu ne pourrais pas reconnaître, hein, tu n'as pas vu son visage, mais tu as juste vu qu'il avait quand même des traits... Bon, c'est un Rokugani, ça tu sais. Tu as vu qu'il avait quand même des traits pas jeunaux, hein, plus vers la cinquantaine dans l'idée, ou entre 40 et 50, enfin tu vois, un truc comme ça. Ouais. Quelques rides un petit peu. Les cheveux, enfin après, est-ce que c'est l'âge, tu sais pas, enfin plutôt clair, mais tu es pas sûr. Ou foncé, enfin, pas très clair. Mais en tout cas, peut-être âgé ou pas, et... Et en tout cas, voilà, et une bonne stature. Voilà, c'est ça que t'as pu remarquer, puis carrément, il t'a semé, mais putain de ninja, quoi. Au début, tu l'as vachement coursé et tout, tu l'as bien rattrapé, c'est pour ça que t'as pu le décrire un peu. Et puis après, pouf, il s'est filé. Voilà. Donc okay, après, je considère que tu reviens, enfin, à moins que tu cherches autre chose ou que tu appelles les gardes. Non, non, bah déjà, j'appelle les gardes pour les cadavres. Ok, bah en fait, tu vas voir au niveau de la tente de Doji Ito, donc il était dedans, clairement... Il s'en serait pris une. Hein. Le type, Aimin, t'a dit que c'était bien Toruki. Et il a été gorgé net. Et sur sa lame, tu vois une lame de poison. Clairement. Voilà. Ok. Ah bah, ça promet. Engagez-vous dans la Légion qui disait. Il y a des voilà. assassins qui ont des listes de, carrément de cibles, quoi. Ouais. Vous verrez du pays. Bah, t'as Doji Ito qui est là, qui est assez surpris, te demande ce qui va pas. Doji Itosama, je viens de surprendre un assassin qui tentait de se introduire dans votre tente. Ok, là tu sens qu'il vient de flipper, il a survécu comme un bel à la bataille, mais là il était au calme et un assassin vient de l'assassiner, qui veut l'assassiner, c'est pas tous les jours. Tu sens qu'il flippe un peu, il te regarde, il dit mais pourquoi on attend à ma vie je bats vaillamment avec honneur, je n'ai pas fauté, je n'ai pas été lâche. Doji Itosama, je pense que ça fait partie du plan de l'ennemi qui a fait s'effondrer les murailles, qui a transmis qui a averti de notre venue les Yubenji. Mais qui est capable de faire ça et... Bah, c'est une bonne question. Et pourquoi m'assassiner Vous êtes une cible potentielle, nous sommes l'élite de cette armée. T'inquiète, tu dis ça, tu vois qu'il y a une petite larme au cœur, tu sens. Oh mon dieu, l'élite. Ah bah, ça venait du cœur, hein, je veux dire, c'est l'honnêteté, hein, je veux dire, c'est... Et que pensez-vous que nous devons faire de ce cas? Est-ce que nous devons le cacher à la troupe pour éviter qu'ils vivent dans la suspicion entre eux? Visiblement, cet assassin était un Aimin. Est-ce que vous pensez qu'un Aimin est capable de si grande qualité de discrétion? Il a quand même passé... toute la gare pour arriver jusqu'à ma tante. Bah, ma foi, il semblerait que oui. Clairement, c'est pas un ennemi. C'est pas le pur des hasards que, parce que j'enquêtais sur le mort. Enfin, ouais, bon, non, je le dis pas quoi. C'est pas le pur hasard que je l'ai aperçu tenter de s'infiltrer dans votre tante. En tout cas, je n'y connais rien en art de l'assassinat, mais. Mais tout de même, je ne pensais que les Aimin assassins n'étaient que de simples voleurs devenus assassins et qu'ils n'avaient pas forcément des qualités pour pouvoir s'infiltrer dans une légion. Je veux dire, regardez autour de vous, il n'y a que des soldats, que des bouchis, je veux dire, quelques Aimin, quelques serviteurs par-ci par-là, mais comment un homme se pourrait... Parce qu'il a été payé pour ça, tout simplement. Je vous laisse à votre grand jugement, mais que pensez-vous que nous devrons nous dire à notre Taïssa? Pensez-vous que ça risque peut-être de gêner son commandement? Peut-être pensez-vous qu'il nous faut garder ça pour nous? Je ne peux pas garder ça pour moi. C'est ambassadeur Yahu, et ça a probablement enfin la même relation que le mort que nous avons trouvé dans la caravane et la mort suspecte du général Akodo. Je dois forcément remonter à au moins le général Akodo a eu une mort suspecte. Vous pouvez tout me dire, Ida Okonyo-sama. Ouais, de toute façon, c'est pas moi qui lui apprends, il y a forcément l'Aizana qui va lui dire. Tu sais, elle a de l'honneur. Hein. Bah, de toute façon, c'est un Tessa, donc je suppose qu'il est censé être au courant, quoi, vu qu'on a été... C'est un chouï, c'est comme toi. Il était peut-être pas forcément au courant, mais maintenant... Je pensais qu'il l'était, donc voilà. Pas forcément, là. Mais il comprend bien. Il disait...
Je vois tout ce que cela implique. Vous n'avez pas peur que si des hommes apprennent qu'il y a un empoisonneur qui peut circuler aussi librement et capable de tuer un Taïssa, ça risque pas de gêner au niveau de notre troupe, et même plus loin. Même si nous en avons tué un, rien que le fait que ça puisse exister, Christ... Oui, sachant... Je le regarde dans les yeux, j'ai fait, oui, nous en avons tué un... Enfin, ce n'est pas moi qui l'ai tué, malheureusement. C'est le deuxième assassin qui a tué le premier assassin qui s'est sauvé. Ils sont forcément deux, du coup, oui. Là, tu vois les grands yeux qui s'ouvrent. Parce qu'il y a un autre assassin, ce n'est pas vous qui l'avez tué ? Oui, il y a l'assassin de l'assassin. Là, tu sens qu'il fait un petit bip. Parce qu'il y a un assassin de l'assassin ? Mais pourquoi ? Il semblerait. C'est une bonne question. J'aimerais pourquoi bien avoir la réponse. Pourquoi un assassin tuerait un assassin ? C'est une bonne question. Parce que le premier a été découvert, sans doute. Mais ça me fait penser... certains d'entre nous sont visiblement... bénis. Ah. Eh ben, j'espère que... le fait que vous avez tué l'assassin... m'assure cette bénédiction aussi. Ah non, mais clairement. Merci. Merci, Ida Konyu, je sais ce que je vous dois. Mais du coup, c'est vous qui avez tué cet assassin ? C'est non. Un assassin qui a tué cet assassin ? Non, non. J'allais attraper l'individu quand le deuxième est intervenu pour tuer le premier. D'accord. Donc, cet assassin, vous pensez qu'il a tué cet homme-là parce qu'il était démasqué ou parce qu'il voulait autre chose ? Clairement. D'accord. Il ne serait pas enfui sinon. Je fais confiance. Dis-moi s'il était honnête. D'accord. Je vais faire doubler la garde autour de ma tante. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à Ikoma Kaisama ? Je pense que vous devriez aller voir Aizaina Tiyoko et lui assurer une sécurité correcte. Vous avez elle, raison. Elle est sur la liste des... Ah non, je crois qu'elle n'est pas sur la liste, elle, je crois. Non, elle n'était pas sur la liste. Après, tu peux mentir. Non, mais je mens pas. Enfin, je lui dis pas qu'elle est sur la liste. Mais, enfin, je lui ai pas dit qu'il y avait une liste de toute façon, quoi. Mais, je lui dis, ouais, ça peut être bien de la faire, comme c'est une des rares Shugenja qui reste dans le sein de notre armée. Ça peut être bien. Parce qu'elle était dans notre armée ? Oui. Notre armée, enfin, dans la Légion, quoi. Ah oui, dans la Légion, oui, pardon. Oui, bien sûr, Je vais m'empresser, je pensais la voir après mon car pour pouvoir justement faire une petite cérémonie du thé pour lui rappeler un peu notre douce province. Je pense qu'elle a dû bien souffrir de la marche forcée que nous avons fait pour venir. Oui, je pense, et là, elle semblerait, du peu que j'ai pu m'en apercevoir, avoir été tout de même assez choquée par la bataille. Et la perte de sa légion. Ah, c'est pas donné à tout le monde de survivre d'ailleurs, si à vous une aviez montagne. Si vous aviez des mots réconfortants, je ne suis pas un... J'ai survécu à cette bataille, mais je n'ai pas l'habitude d'affronter ce genre de péril, et je n'ai pas forcément les mots vrais pour consoler un cœur... meurtri, apeuré. Alors je regarde dans les yeux et je vais lui dire directement. Ça, c'est bon. Non, non. Quoi que vous fassiez, faites-le vite avant que quelqu'un le fasse à votre place. Ça va, ok. Alors c'est tellement énigmatique qu'il fait. Ok, bon, il part. Il te remercie. Je pense pas qu'il ait compris ses entendus, mais... Non, mais il va comprendre ce que lui veut comprendre, du coup. Voilà, quoi. C'est... Voilà, mais ok. Bon, du coup, il te remercie chaleureusement pour cette attention et ce sauvetage. Et du coup, je vais récupérer le truc de... Enfin, entre guillemets, l'arme de l'assassin. Je vais aller flamber le corps, et puis je récupère les preuves, et puis je vais les ramener à noter ça dès que je la croise, quoi. Ok, du coup, on remonte tous les deux là-haut. Ok. Ça marche. À tout de suite. On va me faire gaffe. Hein.
C'est okay. pas. Je prends note, t'inquiète pas, je prends note. Ikomakae, du coup, tu arrives à la tente de la générale, Matsuo Hirohime, tu es accompagné du coup de. Shiba. De son Shiba de compagnie. À l'entrée, un des gardes demande à Shiba d'attendre à l'extérieur. De Shiba Yatsuhiro d'attendre à l'extérieur. Seul. Ikomakae est attendu. Ainsi que. Voilà, donc le seul Ikomakae est attendu. Je demande, est-ce que Izawa Toga est présent ? Non, non, maintenant que vous êtes là, il a demandé, la générale a demandé à seulement vous voir, vous ainsi que Matsu Suzuko. Très bien. Bah, est-ce du que coup, te dit la tendance à l'extérieur ? Bah, Shiba-sama, pouvez-vous aller voir Izawa Toga ? Je vais aller le voir. Et lui faire part de mes... Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je veux dire. Une question. Du coup, tu vas pouvoir voir... tu veux pouvoir les voir. Tu vois, t'as les autres qui sont dans une autre salle, en fait, avec d'autres Taïsa et des autres commandants. Donc, dans la salle de la générale, tu vois la générale qui est sur un plan, et du coup, il y a Matsu Suzuko qui vient de rentrer avec ses deux lions, et il y a toi qui viens d'arriver à l'instant. Ok, bah je les salue, et je reste muet. Et j'avance et j'attends qu'on me parle ou qu'on me demande de faire quelque chose. Ou... Ok, tu as gardé une sorte de carte et puis elle se lève et elle se dit « Bien, nous sommes entre membres du clan du lion. Que s'est-il passé exactement pendant cette bataille qui nous a couvert de gloire mais qui nous a coûté la vie inestimable de Okodo Oda. » Bah, je lui raconte la vérité, hein. Je lui dis qu'après la marche forcée, j'ai disposé un quart de mes troupes pour la protection du campement, que j'ai ordonné au reste de se reposer, que les autres ont commencé à se disposer pour participer aussi à la protection du campement, surtout certaines équipes de la Légion de Matsusama. Je vais les voir. Hein. Et très rapidement, en fait, il y a eu, alors si tu m'arrêtes si je me trompe, mais chronologiquement, il y a eu d'abord les rochers qui se sont cassés la gueule sur les Shugenja. Alors, il y a la compagnie de la Matsu qui était rentrée, et c'est une fois que celle-là a été rentrée, lorsque les Honja commencent à passer, que les rochers sont cassés la gueule, oui. Voilà. Et de suite, quelques secondes plus tard, il y a eu la charge de cavalerie de l'autre côté, quoi. Non, en fait, tu as mené une contre-attaque sur ça. Il y a eu des flèches, hein. Faut pas oublier qu'on s'est fait flécher. Oui, bah ouais. c'est le mur est tombé. Après il y a eu les flèches, enfin les flèches, nous on est allé les buter. Voilà. Et une fois qu'on les avait butés, il y a eu la charge de cavalerie. Donc du coup, voilà. Et en fait, c'est la légion de Akodo Oda-sama qui a encaissé la première charge de cavalerie et a permis la contre-attaque et la mise en fuite de nos ennemis. Très bien. Bon bah là Matsu est totalement confirmé. Et je lui raconte aussi le sauvetage du général et ce qu'il en est arrivé, c'est-à-dire l'empoisonnement quoi. Alors le sauvetage du général, elle avait ouï dire que voilà un acte héroïque, t'avais même récupéré après la bannière et qu'elle trône dans le gros campement de la 13e légion, t'as une bannière qui trône. Ouais. Et voilà récupéré donc source de prestige. Hein. Et par contre, elle est, tu dis, vas-y, on est au RP, dis-moi l'empoisonnement, du coup. Après la bataille, j'ai voulu très rapidement m'inquiéter de l'état de Akodo Oda-sama. Et j'ai retrouvé, il était installé dans ma tente, dans une tente, pas la mienne. Oui, enfin, une tente, ouais. Dans une tente, et il y avait une trace verdâtre autour de sa bouche et il était mort.
Et enfin, j'ai fait appel très rapidement à Zaina Kyoto-sama, qui n'a rien su faire, qui a essayé de soigner toutes ses plaies, etc. Et enfin, pas bah, avant qu'il meure. Hein. Elle a réussi à soigner toutes ses blessures externes, mais il a quand même péri et elle a émis l'hypothèse que c'était peut-être effectivement le notre mal qui avait enlevé la vie à Kodo Oda-sama. Et après une inspection rapide de corps, sans toucher hein, évidemment. Azaina Kyoto-sama a remarqué des traces vertes sur autour de la bouche, sur les lèvres. Et vous avez pu trouver cet assassin ? Non, je suis allé voir les le soldat qui a ramené le général et l'a gardé. Il a ramené derrière les lignes et qui a gardé pendant que les médecins s'affairaient sur lui et pendant qu'un autre allait chercher les médecins. Et il me semble sincère, il n'a vu personne. Et je pense que nous avons un saboteur très doué au sein de la Légion. Enfin. Vous savez, ouais. Vous m'enverrez ce soldat. Mais cette histoire d'empoisonnement m'attriste. Il y a eu plusieurs affaires. La légion de Kayukoban a été souffrante pendant le trajet. Il les a empêchés de pouvoir enlever les cailloux qui bloquaient le passage de l'armée de la légion de Kakita Kenjo. Ils ont été une épidémie. Problème de pas quoi, enfin bref. Ça semble être une attaque coordonnée et bien précise. Ils ont neutralisé les personnes qui pouvaient empêcher d'en dégager la voie. Ils ont détruit. Ils ont précisément visé la légion de Shugenja, et qui aurait pu être d'une grande aide pour revigorer les forces de nos troupes après. Après la traversée, ou pour nous mettre à l'abri, les hommes de ces charges de cavaliers, et pour nous soigner après la bataille. Je pense que c'est qui souhaite nous voir échouer. Oui. Et je ne pense pas qu'il soit Yobanjin. Je connais trop bien nos us et coutumes et nos tactiques pour. On m'a fait part que vous aviez des prisonniers Yobanjin. Tout à fait une dizaine. Interrogez-les et vous me ferez un compte rendu de. Mais ça, j'ai cru comprendre que votre Shui parlait cette langue. Oui, je pensais confier ça aux membres du clan du crabe qui sont à la 13ème Légion. Et sinon, vous avez la légion de Yoko Rei qui agit de la torture si cela vous gêne. Elle dit ça ? Oui, c'est des Yobanjin. Ouais. Moi, je l'ai pas dit, mais je le pensais, mais je l'ai pas dit. Mais... bon, après, c'est un scorpion. C'est de l'interrogatoire poussé. Oui, tout, voilà. Mais... interroger en profondeur. Voilà. Et. J'aime beaucoup les petites expressions pour que ça passe honorablement, alors que bon, ça n'est pas tant que ça, tu vois. Là, si vous avez besoin de quelqu'un pour la grande question, n'hésitez pas. Exploitons ceux qui ont l'art et la manière de tirer les vers. J'aimerais savoir qu'est-ce que nous devons prévoir dans les prochains jours. Je ne veux... Là, Izawa Toga m'a fait dire que le message avait été envoyé à son clan et que comme promis dans un an ici il y aura une route qui amènera à un village quelque chose comme ça qui amènera à leur terre
et qui permettra la communication. La chute de cette montagne n'est pas un souci et ils respecteront leurs paroles qu'ils ont faites devant l'empereur. Cependant... T'es en train de dire qu'on doit notre retour au clan du Phénix, là. Oui. Mais clan du Phénix, où il y a une ombre qui plane et des trucs comme ça, quoi. Cependant, je préfère aussi avoir d'autres solutions. Et j'aimerais envoyer une légion longer les montagnes afin de trouver une entrée, peut-être, soit sur les clans... Les clans, peut-être, d'après les renseignements anciens que j'avais pu glaner avant de partir, il y avait peut-être un passage assez large au niveau des terres, peut-être du clan du dragon ou du clan de la licorne, je ne sais pas. Oui, ça fait loin. Oui, ça fait loin par contre, ouais, du coup. Et une approche par la mer ne serait pas possible ? Il semblerait que ce soit encore beaucoup de montagnes pour y accéder. Et d'après les informations que j'ai, c'est plus sur la partie ouest. J'hésitais à envoyer une personne de confiance ou à Confessia à Shinjo Matsuyo de la 11e Légion. Il est assez proactif à demander que sa Légion puisse partir en éclaireur. Elle a donné, on connaît le motif réside de notre mission donné par l'empereur ou pas. Enfin, on doit juste passer un an à casser du. Yobanjin, vous êtes là pour en gros conquérir Yobanjin. Après, pour les détails, il faut poser la question. Elle veut envoyer Shinjo Matsuyo, mais c'est de la cavalerie légère. Bah, comme ça, ils iront plus vite. Bah oui, mais c'est pas très discret. Moi je trouve que malvenu, c'est malvenu pour l'instant, quoi. Ouais, mais après c'est pas le but d'être discret. Le but c'est d'aller vite, quoi. Je pense. Ça ira bien, mais. Enfin, c'est pas si con que ça, mais après. C'est bien. Il y a sur les cartes. Elles viennent d'où ces cartes? Il y a des archives impériales. J'ignorais que des Rokugani étaient déjà venus ici. Il semblerait que c'est assez bizarre qu'il y ait un clan qui paye un impôt chaque année d'après une vieille archive et qui a pour objectif de protéger les montagnes contre les invasions Yobanjin. C'est pour ça que je pensais à ce clan-là. Le clan du... Ah oui, rouges, je crois. Et c'est pour ça que je pensais que arriver à les retrouver permettrait de peut-être d'avoir un lien qui nous connecterait à l'Empire sans passer par le clan du Phoenix. Devrait tenir leur promesse. Tu respectes la carte de la 4ème édition ou pas? Moyen, j'hésite entre les deux, pourquoi? Ouais, bah, parce que ça fait super loin de là où on est, en fait, hein. Et oui, ouais, par contre, ça fait super loin, oui. Mais bon, après, mon perso, je sais peut-être pas, mais... Non, il sait pas ton perso, mais oui, clairement, entre nous, ça fait loin. Très bien. Général Sama, quel est votre prochain objectif pour la 13e Légion, et puis... D'abord, nous allons célébrer la mort d'Okado Oda et de sa 9e Légion. Nous allons élever ici un temple, enfin un recueillement pour lui et ses hommes. Et garderons pour nous son empoisonnement, le temps afin d'éviter que ces empoisonneurs ne réussissent à créer la suspicion dans mon armée. Pour éviter que chacun se regarde comme potentiellement un assassin. Je pense qu'il y a aussi une volonté de casser le moral au sein de l'armée par ses actes. Je n'ai pas encore de preuves, mais il me semble que d'autres. Je n'ai pas encore de certitude, Général Sama, mais. Je me tends à croire que certains événements qui se sont produits pendant le voyage ont aussi été perpétrés par
le même individu ou le même groupe d'individus visant à saboter nos efforts. Mais je le pense aussi. C'est pour ça que je ne peux avoir confiance en les personnes qui sont dans cette tente avec moi. Là, t'as un des lions qui baille du style. What else? Ouais. Quand tu dis lion, c'est un des gars qui est là ou c'est un des animaux qui est là? Un des animaux. Parce que... En fait, y'a que des lions en fait en tant qu'être humain. Ouais. Oui, c'est vrai. Clairement, y'a que des lions, ouais. Une Ikoma et deux Matsu. Dans la tente. Ouais, dans la tente, ouais. Dans la tente, ouais. Ce que je note, c'est l'absence de catfight, ce qui est assez étonnant pour autant de nanas dans une même tente. C'est pour ça qu'on qu'ils ont fait éliminer l'homme, ça, il n'y a pas de reproduction. Est-ce que, est-ce que y a des, il reste des Akodo dans l'armée en fait? Oui, il y a Akodo Oda. Non, il est mort. Il doit y en rester, mais seulement, on va dire, des grades inférieurs. Ouais, inférieurs, mais bon, après, ouais. Ils sont peut-être bons quand même, stratégiquement parlant, quoi. En stratégie. Ça vous paraît pas bizarre qu'ils aient éliminé tous les spécialistes de la stratégie aussi, accessoirement, pile poil? Genre, pile comme il faut? Je suis encore là, ça va. t'es rang 3. Mais là, ça veut dire que ça va venir. En art de la guerre, je suis presque meilleur que toi, quoi. Matsu Hirohime, c'est la chef du clan Matsu, hein. Après, oui, elle doit toucher quand même, hein. j'en doute pas. Clairement. J'en doute pas, en dehors de la guerre, elle doit toucher. C'est la championne du clan. Oui, bah, bien sûr. Ah, c'est pas un Akodo? Non. Non, c'est la championne de la famille, excuse-moi. D'accord. Là, pour l'instant, c'était un vieil Akodo qui était la championne du clan, oui, clairement. Un vieil Akodo qui était la championne du clan? Non, c'était un vieil Akodo qui était le champion du clan, mais il avait perdu ses enfants il y a quelques années. Et au moment où toi, Ikoma, au niveau de ton histoire aussi, par rapport à ta famille. Du coup, potentiellement, c'était Matsu Hirohime qui aurait pu prendre la direction du clan. Mais bon, Akodo est toujours en vie pour l'instant. Genre pas louche pour dessous, tout ça. Ouais, à mon avis, quand on va revenir, il va plus être là, le vieux Akodo, hein, mais bon. Ouais, bah de toute façon, moi j'attends les ordres et notre. Du coup, Ikoma Kaesama, est-ce que vous je comptais vous faire intégrer les restes de la 9e Légion dans vos troupes? Je pense qu'ils seront cœur à vaillance. Cet honneur, volontiers. Et cela aura fait plaisir à Kodo Oda de savoir que ses hommes seront dirigés par un grand Aïssa. Je me suis permis de récupérer le Deisho de Akodo Odasama, je le rendrai à sa famille quand nous rentrerons au pays. Et, très bonne initiative. Je vous demande de taire pour le moment soit d'empoisonnement. Je prends sur moi la responsabilité de cet acte. Je lui donne le nom de toutes les personnes qui sont déjà au courant. Il y en a 80% qui vont mourir dans la nuit. Voilà, félicitations. Les 20% restants sont des lions. je vous demande de vous charger la responsabilité qu'il se taise par rapport à cet événement. Elle veut que je vous coupe la langue. Ouais, viens-y comme tu veux, moi je te prends en combat. De toute façon, je veux dire, t'es un Taïssa, je considère que tu vas dire à tes mecs en dessous de toi, fermez vos gueules et puis c'est tout. Oui, bon, après je considère que pour nous c'est déjà plus ou moins acté. Moi personnellement, mon perso il a bien compris que s'il se passe un truc louche, vaut mieux qu'on ferme nos gueules pour éviter que les personnes qui sont au courant sachent que nous on est aussi au courant parce que ça sera le meilleur moyen de les choper quoi. L5R. Le jeu où tu fermes ta gueule pour éviter de t'en prendre une. Oui. Donc voilà. Pas pour éviter de s'en prendre une, c'est plus pour pouvoir choper les mecs, t'as plutôt intérêt à. Donc sache pas que t'es là quoi. Si je récap, je récupère les mecs d'Akodo et ouais. Puis et après on fait quoi? Du coup, il voulait savoir si l'un de vous deux désirait partir à la recherche de ce clan perdu pour trouver une solution. Sinon, elle envoie la 11e Légion de.
de Shinjo. Elle préfère demander à l'un de vous deux parce qu'au moins elle est sûre qu'elle peut avoir confiance. Et que elle aime pas du tout l'attitude prétentieuse de ce Shinjo. Mais après, il faut l'envoyer, elle l'enverra. La Matsu, elle dit clairement, moi, j'aime pas crapahuter dans les montagnes avec mes lions. Je veux qu'on avance, je veux me battre contre la Yobanjin. Ouais, je suis un peu pareil, hein. Bah, tu dis pareil, hein. Moi, j'ai pas de soucis. Moi, je propose. Ouais, c'est il y a plusieurs chemins. Ça, hein. Moi, je m'en fous, hein. Clairement, je propose après. Moi, je lui dis, la 13ème Légion, prendra les ordres qui lui sont, enfin, exécutera les ordres qu'ils nous ont donnés. Mais si je peux exprimer un souhait, je pense que mes hommes ont envie de repartir à la tête haute de ces montagnes, de ces territoires, et ils veulent affronter l'ennemi que. Donc, par l'ennemi que l'on doit battre au nom de l'empereur. J'ai je vous donne en avance le plan qui est prévu. Il semblerait, d'après les quelques rapports que j'ai pu avoir, que qu'il y ait une ville, la ville des Cinq Rivières, la ville des Cinq quelque chose, je ne sais pas, plus loin dans le nord, qui est une sorte de capitale chez ces gens-là. Je pense faire monter l'armée directement en ligne droite et assiéger cette ville-là et nous imposer. Que vous voyez une objection à mon plan ? Oh, la Matsu, c'est limite, ok, on part demain. Enfin, tu vois, tu la sens. Non, bah, moi pareil, de l'autre côté, j'essaie de. Dans ma tête, j'essaie de voir si on a des armes de siège, mais, etc., pour mener le siège d'une armée, mais enfin d'une ville. Après, à part ça, non. Je vais répartir les derniers Shugonja qui restent dans les différentes légions. Enfin, que chaque légion possède au moins un ou deux Shugonja, voire plus si je peux trouver d'autres personnels. Certains membres de la 13e ont exprimé le souhait de récupérer Azaina, Kyoto, Sama. J'aimerais aussi du coup que vous récupérez Kitsu Shinjo. Il semblerait que les quelques problèmes de mémoire. Ouais, je vois bien. Donc au départ, ce n'était déjà pas. J'espère que auprès de vous, elle sera. Elle saura se battre vaillamment et retrouver l'esprit du clan. Bien, je vous remercie. Je vais prendre les ordres des différents commandants et les détails ça. Bon bah voilà, gros bisous. Moi je vais voir Kisumae pour savoir si elle peut nous envoyer dans l'autre monde pour essayer de trouver qui est le coupable du fait qu'elle commence à perdre la mémoire. Oui, c'est un certain Bayushi Takayoshi. Non. C'est pas lui. Voilà, donc du coup, Shuba, à toi. Bah, du coup, je vais voir Izawa Toga. Très bien, donc là, t'es devant. Il y a quelques Taisa ainsi que Otomo Yoka. Donc, tu vois, c'est une sorte de grosse salle. La contre-soirée. Voilà, donc du coup, il te reçoit poliment. Izawa Toga, je suis heureux de. Shiba Yatsuhiro, il te dit juste Shiba Yatsuhiro, je suis heureux de vous voir sain et sauf. Il en est de même pour moi, même si je n'ai jamais douté de votre puissance. Tu vois qu'il a un petit sourire du style. Ouais, je sais. Je venais afin de parler avec vous pour savoir ce qui s'était passé. Car de notre point de vue, nous avons juste vu un pan de montagne s'effondrer. Oui. Savez-vous, avez-vous perçu de la magie ? Y a-t-il eu des signes Comme vous l'avez vu, j'ai été très occupé pendant 3 jours. Ma foi, je n'ai pas pu me concentrer sur cet événement. Et le moment où j'ai pu me concentrer sur cet événement, vous l'avez vu, puisque c'est moi qui ai ouvert la montagne pour pouvoir passer.
C'est en gros la grosse explosion qui est ouais, au passage. C'est la libération fine, subtile, délicate. Et ah, tu sens... Et là quand il dit ça, tu sens qu'il appuie sur la main de son wakizashi spécial que vous lui avez ramené. Ouais, bah oui. On est content d'avoir réussi cette mission finalement. I've got power! Je me demande si on est tous les deux dans la pièce, tu vois. Moi qui ai récupéré l'objet, et qu'on fait la technique du Jedi pour récupérer le wakizashi. Le wakizashi, c'est une vertu, tu vois. Je pense que le Kamehameha que tu te prends dans les jambes te fait que le wakizashi décide d'aller vers l'autre, tu vois. Genre, l'air de rien. Du coup. Ok. Donc non, il a rien vu du tout, il était trop occupé à autre chose. Alors, je vous posais cette question parce que... Bah, là, moi, je suis décrit ce qui s'est passé de notre point de vue, tu vois. Enfin, avec l'attaque simultanée, machin, le... Voilà, donc, avec les attaques, les combats, les gars qui ont comme par hasard fléché depuis, machin, tout ça. Ouais. Bref, je lui explique que, de toute évidence, l'ennemi... a su nous trouver et nous attendre. Et je souhaitais, je n'étant pas maître des arts Shugenja, je, avec Ikoma Kae-sama, nous nous posions quelques questions sur le pouvoir que vous avez utilisé pour le déplacement. Oui. Il avait été indiqué qu'il nous rendait plus discret et difficile à suivre. Mais quelqu'un aurait-il pu deviner de quelque manière que ce soit par quel endroit et à quel moment nous allions sortir de la montagne? Les seules personnes qui sachent exactement où je vous emmenais sont moi, la générale, plus ou moins, et Otomo Yokas. Il était au courant en tant que commandant. Les plans ont été décidés avec l'aval du clan du Phoenix, évidemment. C'est là que j'ai pu prendre le rituel. Et vous emmener ici. Ça veut dire que le clan du Phoenix était au courant. Je viens de dire aussi. Il n'est pas là. Oui, enfin, je suis pas stupide non plus. Hein. Non, le plan a été décidé avec le clan du Phoenix, mais en dehors du clan, en dehors de nous trois, personne ne connaît. Comment tu fais pour décider un plan avec quelqu'un sans que la personne sache quel est ton plan, quoi. Mathématiquement, il y a un truc qui marche pas dans, dans sa phrase. Ok. T'as pas bon chez les Phoenix. Non, clairement. Au niveau des... Enfin, là, je lui parle des différents événements qu'il y a eu entre les différentes légions. Oui. Il semblerait. Ouais, je baisse un peu la voix et je mets la main devant la bouche pour éviter les. Ouais. Parce qu'on a plein de gens autour de nous. Que. Des traîtres soient dans nos rangs, des saboteurs. Ouais. Visiblement. Des événements ont coûté la vie à de nombreux samouraïs et émines avant même notre arrivée au lieu de l'embuscade. Ok, bravo. Vous voulez dire qu'il y aurait quelque chose de moisi? Je vais payer les audio Banji. Assurément, je pense que... C'est du Roquefort, hein. Un ennemi essaye de nuire à la campagne... de notre légion, enfin de notre armée, et que cet ennemi est visiblement très bien implanté ou excessivement doué. Vous êtes quelqu'un de très perspicace. Bah, y a de sûr. Kamehameha pendant les gars, je suis mort. Perso suivant. Non, c'est moi le saboteur. Non. Ah, t'es devenu Taïssa alors que t'es saboteur, c'est bien. Non, je jouais Izawa, en fait. Ah.
D'être perspicace, Shiba Yatsuhiro, comme tout membre du clan du Phoenix, vous avez pensé plus que n'importe quel clan soit félin ou pas. Malheureusement, nous devons rester à notre place. Les ordres. Ouais, Yatsuhiro. Ma foi, étant donné la charge qui m'incombe, je suis dans l'obligation d'essayer de savoir qui menace ainsi votre vie, ainsi que celle de notre compagnie. Là, tu vois qu'il se baisse aussi vers toi, qu'il lance bien un regard à gauche, à droite. Pour être discret, il te dit bien, tu sais, genre il met l'épouvantail aussi pour qu'il te dit, ignore aussi beaucoup de choses, rassurez-vous. Vous avez des pistes ou des informations, je serais heureux de les connaître. Mais méfiez-vous. À mon avis, ces personnes-là sont d'un grand talent. Mais j'aimerais pas qu'il vous arrive quelque chose. Suivez les ordres du clan et protégera. Sinon, tempérons la fureur du clan du Phoenix. Ma foi, à l'heure actuelle, je suis toujours en mode c'est prudent tout ça. Je n'ai de toute façon pas de nom ou de coupable désigné. À l'heure actuelle, je ne fais que additionner les signes et essayer de produire le. C'est un peu comme le jeu de loi. L'estampe complète, mais je n'ai pas encore de signature pour la main de l'artiste. Et en effet, je ferai ce qu'il y a de mieux pour le clan. Izawa Togasama. Dono même. N'oubliez pas qu'en ces terres éloignées, je suis le représentant du clan. Je ne l'oublie pas. Izawa Togadono. Bien. Et quel est l'ordre du clan? En dehors de rester à notre place? Donc là, tu vois qu'il s'écarte un peu pour être tranquille un peu à côté de toi. Et il te dit... à plusieurs jours, semaines, je ne sais pas exactement. Il y a une grande ville. On parlait de ville. Yobanjin. Je pense que... le clan serait heureux de savoir que... vous avez pu participer à sa conquête. Nous sommes là pour ça. Guérir Yobanjin. Je suis un choui de cette armée. Je ferai donc ce qui est nécessaire pour que l'armée atteigne son objectif. Et si l'armée attaque cette ville... Je vous le rappelle, hein, si pour plus de sécurité, vous direz que je vous les éloigne cette légion, je peux très bien faire en sorte de vous avoir près de moi de façon permanente. Assurément. Et cela, je n'en doute pas, faciliterait ma mission de vous protéger. Mais cela nuirait à notre collecte d'informations, je pense, sur ce qui se passe. C'est sûr, mais n'oubliez pas que votre sécurité m'importe plus. J'en ai pris bonne note. Izawa Togadono. Malheureusement, il est aussi dans le Bushido d'accomplir son devoir. Et se mettre en sécurité au dépend de son devoir n'est pas respecter le Bushido. Le devoir est de protéger mon clan. Assurément. Et d'obéir.
Assurément. Avez-vous d'autres questions? Non. Je voulais, enfin, j'ai peut-être une, par contre, une information importante. Donc là, je Direz-vous repasse que... en mode ninja prudent, tout ça, machin. D'accord, ok, ouais, je t'écoute. Et là, alors c'est quoi son nom au cadavre? Lequel? Le Ah, général. Akodo Oda. Akodo, Oda. Là, Akodo Oda n'est pas... aurait dû survivre à ses blessures. Ouais, tu vois qu'il a l'air surpris. Allez, comment ça? Il est pas mort glorieusement comme tout lion dans la héroïquement en combat? Il a combattu avec vaillance et gloire. Et ses blessures étaient importantes, certes. Mais l'écume verte à ses lèvres indiquait qu'elles ne sont pas la cause de sa mort. Et vous pensez à quoi? Soit l'ennemi n'a que peu d'honneur et des armes préparées pour ternir les chances de survie des blessés, soit un Taïsa blessé était une opportunité pour un saboteur. Je comprends du coup votre inquiétude, il faut être très prudent. Cela m'inquiète énormément. Faut qu'on garde ça pour nous pour l'instant. Tout à fait. Je pense que bon, les Shōwi de la 13e Légion sont au courant. Nous avons une obligation de silence sur le sujet, mais je pense que le général sera sûrement au courant. Bon, Taïsa a dû lui en parler. Direz-vous que je pousse la générale à créer une légion composée de phénix sous votre autorité? Sentez-vous capable de diriger cette légion? Je pense qu'il me faut encore gagner en compétences avant de pouvoir prendre une telle charge. Je ne voudrais pas qu'il arrive Les malheur intéressants. à des membres de notre clan. Déjà appris qu'il y a eu un accident sur la route où on a perdu un jeune samouraï du clan du Phénix et je ne voudrais pas que cela se reproduise. D'accident, cela arrive et je n'aime pas ça. Nous sommes tout à fait d'accord. C'est la rumeur de cet accident qui m'a fait être prudent et me renseigner et découvrir d'autres sabotages équivalents. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul phénix, enfin, que ce membre de notre clan qui a succombé à cet tragique événement. Mais je pense que, enfin, nous avons trouvé un ennemi de mort dans notre propre légion et je pense que c'est, enfin, c'est ce qui m'a mis sur la piste du saboteur. Vous me faites penser que du coup je vais demander à qui vous savez d'être proche de vous et de rejoindre votre légion et j'espère que vous me promettrez de veiller sur elle aussi honorablement que vous le feriez si c'était votre champion de clan. Je promets sur mon honneur. Et je n'aimerais pas qu'il lui arrive quelque chose en étant auprès de moi. Quelqu'un essaye de me viser. Je pense que les Taïsa seront peut-être plus facilement ciblés que les Shui. Plus Oui. prioritairement. Oui, tout à fait. C'est pour C'est ça aussi pour ça. que je ne voudrais pas qu'elle soit que quelqu'un en essayant de m'atteindre essaye d'attenter à sa vie. Tout à fait. Cela me courroucerait énormément. Mais c'est aussi oui, une des raisons qui me pousse à ne pas souhaiter être tout de suite un Taïsa.
Je vous nomme officiellement son Yojimbo. Bien. À vous, je vous laisse libre des actions à prendre avec elle. Et... elle fait attention, elle a un certain caractère. Nous avons pu remarquer. C'est la famille. Bien, sur ce, je vais avoir rendez-vous avec la générale pour le prochain plan de bataille. Je vous en remercie. Fort bien. Très bien. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, tout ça, bisous bisous, au revoir. Juste un petit détail par rapport à la générale. Merde, je voulais lui dire un truc. C'était important. Merde, j'aurais dû le noter. Oui. C'est con. Ouais. Ah ouais, c'était super important en plus de mémoire. Bref, je lui dis, hein. Je dirai ce que j'ai dit plus tard. Je à la générale ? D'accord. Ouais, ouais, à la générale. Ok. Bon bah du coup, voilà, bon, du coup vous ressortez. Voilà, vous ressortez. Vous vous dirigez vers votre tente, je présume. Ouais. Parce que la tente, ouais. Sur le chemin, tu vois une personne déterminée qui vient vers toi. Qui ? Toi ? Alors, qui toi, c'est... il semblerait, bah vous deux, vous êtes ensemble. Vers vous deux. Bah, on s'est séparés parce qu'il parlait à la générale pendant que j'avais parlé oui, à Isabelle. Oui, mais maintenant vous sortez tous les deux de la tente de la générale. Celle qu'il ne faut pas nommer, elle est avec moi là quand je rentre là. Non, non, elle y est pas encore. Elle va arriver plus tard. Bah, je prends la parole, Miromoto oui. Narumi-sama. Daisa Ikomakae-sama, félicitations pour votre victoire. Je vous remercie, mais cette victoire je la dois principalement aux troupes de la 13e et de toutes les autres légions. Togashi Sento m'a dit que vous possédiez un bien m'appartenant. Ah, pour être précis, je crois qu'il vous a appartenu. Oui, j'aimerais le récupérer. L'avez-vous pas perdu honnêtement pendant un duel? Oui, mais dirons-nous que cet homme était assez déstabilisant. Je suis sûr qu'une personne aussi honorable que vous saura rendre à qui de droit ce recueil de poésie. Il n'a aucun intérêt martial. Certes, certes, mais... Bien. Je ne vais pas apprendre au clan du dragon à respecter un duel. Miromoto, là, elle met la main sur le katana, elle te dit, mais si c'est n'est que cela, on peut... Mais c'est... Laissez-moi terminer, j'avais effectivement cette idée en tête. L'issue du duel ne m'importe, enfin, comment dire... Je vous rendrai ce recueil qui vous appartient, il a l'air de vous tenir à cœur, ne vous inquiétez pas. Pour lier un enjeu... somme toute raisonnable pour que le duel entre nous soit intéressant et il est clair que la réputation de votre clan en matière de duel est très importante et je prends cet affrontement comme un entraînement pour ma part. Mais afin de lui donner un certain enjeu, si gagne le duel, j'ai le droit de lire le recueil. Et je le vous rendrai après. Et si je le perds, je vous le rends tout de suite. Bien. Ça vous va. Mettez-vous en position, du coup. Là, on est d'accord. Hein. Vous êtes en plein milieu de, on va dire, du camp de la 13e. Elle fait ça, quoi. Ouais. Chercher le bouquin de l'école. Oh bah, si elle est rang 5, elle va m'éclater ma race. Hein, mais. Ouais, quoique. Enfin, si elle est. C'est pas si sûr que ça, quoi. Elle est que taille ça. Ouais, ouais.
Bah, si elle est rang 6, c'est qu'elle a l'école supérieure, ouais. Là, oui. Là, non, elle est pas rang 6. Mais si, voilà. Si elle est Miromoto, bon. Elle est Miromoto. Si elle est spécialiste duel, elle me battra, mais ça va pas être énorme, je pense. Si elle est plus orientée militaire que duel, voilà. Ça reste un adversaire coriace quand même, mais voilà. Clairement. Je présenter la chose de façon que ça soit pas mal, pas trop ouais. Mal. Quoi. Alors, blablabla, le calme avant la tempête. Oh putain, comment c'est pour vous. Ah là là. Lorsque vous adoptez la posture du centre, vous gagnez un bonus total à vos jets de Yajutsu égal à votre rang de Ken. Ça c'est fait. Ouais, elle rajoute plus 5, hein, ou plus 7, ou plus, je sais pas combien elle a en Ken, mais enfin, ouais, c'est pas énorme. Hein. Ouais, plus 7, faut pas déconner non plus. Hein. Pas énorme non plus, hein. Je veux dire, ouais, c'est pas l'école Gakita. Hein. Non. Voilà. Parce que l'école Gakita en duel, elle est ultra cheatée. Celle-là, elle est coriace, mais elle est pas si. Je pense que Shiba il a toutes ses chances contre elle. Hein. Ah oui, clairement. S'il dépense tous ses points de vide. Non, du coup, le rank 4, tu t'en fous. Et. Attends, ah non, c'est une moissonneuse batteuse, hein, mais en duel, elle va pas être. Ouais, non, duel, elle est elle pas. Elle va pas être si forte que ça, quoi. Non, c'est bon, bah vas-y. Donc, okay. premier jet évaluation, donc. Ouais, alors attends, après, duel de Yai. C'est passé combien de temps depuis la bataille, etc. Ouais, je dirais que là, vous êtes le soir. Si ça, dans l'idée, ou le lendemain matin. Attends. En gros, on a récupéré nos points de vide ou pas, quoi. Ouais, vous êtes full point de vide, y a pas de souci. Bon, c'est là, vous êtes full point de vide. Ok, donc posture du centre, vous gagnez tous plus 1G1 plus le vide que vous avez sur un G pour un rune. C'est au tour suivant, ça. Ouais, c'est au tour suivant. Rune 1, donc on lance. Alors, en fait, vous êtes. Non, en fait, c'est maintenant. Vous l'avez, puis. Automatiquement, ça, en fait. C'est que tout le monde se met en posture centre, on lance l'initiative, mais ton point, ton évaluation, enfin, toi. Ah putain, ce que tu gagnes avec le centre, tu peux l'utiliser quand tu veux. Dans n'importe quel round. C'est pas comme ça que je le fais, moi. Mais... Ouais, je sais, mais c'est comme ça que j'avais relevé. Hop. Donc, du coup, repartir sur ça ce soir. Du coup, alors... Allez. Donc, si je comprends bien, on a un G1 plus vide en bonus. Ouais. À un G... À un des 3 G qu'on va faire. Voilà. Alors, l'initiative. Ouais, ça, l'initiative, ça sert un peu à rien. Mais Oui, c'est vrai. On va faire du coup, hop, Yai. Tu fais Yai. Yai plus intuition. Alors, intuition. Oh, c'est pas sa spécialité. Ouais. Vas-y, on va ton G. Alors, je vais manger des évaluations. Ouais. Hop. Et... Voilà. Voilà. Ah ouais. Ah bah... Ouf. Pau. Voilà. Ah la vache. Là-bas. Tu viens de lui donner une leçon, là, non? C'est un peu l'idée, ouais. C'est un petit peu l'idée, ouais. Bon. Elle te dit... Alors, tu vois qu'elle te dit... Je vous souhaite bonne lecture. Daisa, Ikoma, Kae, Sama. J'espère pouvoir retrouver cet ouvrage qui m'est cher le plus rapidement possible. Et là, elle s'incline devant toi et elle s'en va. Je lui dis hein, que je lui rendrai dès que j'ai fini la lecture. Il n'y a pas de problème. Ok. Alors, tu peux marquer dans tes frags que tu as battu en duel Yai, justement, elle en dragon.
Bah oui. Donc, et comme ça, on fait la... quand j'en aurai un certain nombre, je pourrais dire, ouais, tu peux passer rang 6, rang 7, etc. Comme ça, hop, ça c'est un vrai... T'as vraiment gagné le duel, il n'y a pas de souci, tu peux être fier de toi. Bravo. Alors, comment elle s'appelle, elle ? Narumi. Ok, donc du coup, voilà, ça c'est fait. J'aime quand un plan se déroule sans accro. Quand un accro se déroule sans plan ? Ouais, aussi. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Bon, bon bah la 13ème est supérieure à la Légion, à la 7ème Légion, hein. Boum. Ouais, alors si tu pouvais arrêter de faire en sorte que les autres Taïsa soient nos ennemis avant même qu'on soit vraiment dans la merde, ça serait cool. C'est pas grave, le général, notre grand général s'en charge déjà. Oui, c'est un peu l'idée, hein, donc bon. Tu as un soldat de la 13ème Légion qui court vers toi, du coup, Ikomakae. Attends, je sais ce que je voulais dire à la générale. Je voulais lui parler de la bonne femme Rokugani blanche, là, qui serait... une conseillère ou le bras droit ou l'amante du chef de Yobanjin. D'accord, elle te demande d'enquêter là-dessus avec les interrogatoires que tu vas faire, voilà, sur les gens. C'est effectivement okay. Ce que je pensais faire. Ok, t'as un de tes soldats qui arrive qui fait Taïsa Ikomasana, il y a un Taïsa dans votre tente. Il y a Taïsa Yogo quelque chose, enfin il y a Taïsa de la. Bah, il y a un Taïsa dans votre tente. Très bien, très bien. Je vous suis. Shiba-sama, pourriez-vous demander à Ida et à ses camarades à Pince de s'occuper des prisonniers pour qu'ils parlent. Doivent-ils les garder en vie ? Bah, c'est peut-être pas comme ça que je vais tourner, mais... Tu peux dire comme ça, c'est des Yomanjin, c'est pas des Rokugani. Je suppose qu'il est préférable que nos prisonniers soient traités conformément à certaines règles de respect de... Il est préférable que nos prisonniers parlent. Oui. Fort bien. Je serais très déçu si nous ne pouvons rien apprendre d'eux. Ah, ça y est. On sent que ça y est, maintenant elle a du titre, elle a du privilège, elle peut se permettre de dire ça aux autres joueurs. Je vais être très déçu. Mais tu sais que je suis pas particulièrement fan de faire ça avec d'autres joueurs, tu vois. Voilà, c'est pas un truc très plaisant de donner des ordres à d'autres PJ. Mais dans l'absolu... Dans l'absolu, l'idée que j'essaie de transmettre, c'est que si vous devez en buter pour qu'ils parlent, ça ne me dérange pas. Mais si vous les butez et qu'ils n'ont pas parlé, là, je vais être vénère, quoi. C'est l'idée. Fort bien. Je lui dirai donc de s'assurer qu'ils soient aptes à parler avant de s'assurer qu'ils aient compris qu'ils étaient en danger de mort. Je vais voir le Taïsa, Yogo machin. C'est Yogo Reiki. Il est assis dans ta tente. Il est d'un calme olympien. Oh, Taïsa Ikoma Kei Sama, félicitations pour votre victoire. Je vous remercie, mais elle a été... accompli par le sacrifice de nombreux hommes et par le courage de... Même. Vous avez tout à fait raison. Et je les glorifie pour cela. On m'a oublié dire que... C'est plus cher pour vous. On m'a oublié dire que vous avez des prisonniers. Je vais délester de cette charge afin de tirer des informations nécessaires pour notre général. Ils sont, déjà en interrogés par mes hommes, mais je pense que vous pouvez tout à fait admirer leur technique et peut-être leur apprendre quelques-unes de vos spécialités si vous pensez qu'ils ne... Ida, te plante pas. Si vous pensez qu'ils
méritent d'un talent plus expérimenté. Mais moi, je suis là que pour apporter mon assistance. Ouais, je lui dis me suivre et du coup je vais. Bah, disons que comme j'ai donné l'ordre qu'il s'en occupe, je veux pas arriver trop tard non plus. Ouais, voilà. Je lui dis de me suivre. N'avez-vous pas été surpris en tant que commandant Lyon de réunir les Shogunja dans une seule unique légion? C'est quand même un acte irréfléchi pour un général Lyon, n'est-ce pas? Au fait des techniques Lyon, hein, peut-être que... Alors lui, il veut que je le coupe en deux ou... Non mais c'est marrant parce qu'il disait la même chose en fait. Ah mais moi le joueur, je suis d'accord, mais je suis pas certain que l'ordre venait de l'impératrice, enfin de la générale en fait, d'organiser l'armée comme ça. Ah c'est vrai, vous avez raison. Mémoire est bonne, je crois que c'était Yokas qui avait proposé cette idée-là. Intéressant. C'est le même qui a une tête de rat et qui m'a fait dire putain, oui. Faudrait que j'appelle les dératiseurs après qu'ils soient rentrés dans la tente. Ouais, c'est Otomo Yuka, c'est le gars qui fait l'administratif et tout ça. Ouais. En fait, c'est un commandant. Ouais, c'est le deuxième commandant à côté d'Izawa Tada. Ouais, c'est celui avec la tête de rat qui est venu voir. Bon, je vous l'ai dit, les Otomo c'est tous des connards. Hein, donc. N'est-ce pas. Disons pas que c'est forcément des connards. Disons que c'est simplement des personnes en fait qui. Ils s'occupent de certaines choses d'une certaine manière. C'est des gens à respectabilité réduite. Mais veuillez m'excuser, Ikoma Kae-sama, mais n'est-ce pas votre amitié avec Otomo Yokas qui vous a permis de prendre la tête du convoi, la tête de l'armée pour le passage le passage des montagnes? Non. Car si ma mémoire est bonne, il avait suggéré votre nom... Ah, vous êtes plus au courant que moi là-dessus. Oh, vous savez, j'entends des bruits de tente de temps en temps, mais je suis au courant de rien. Vous savez, on me laisse souvent dans mon coin. J'ai rencontré dans ma jeunesse des samouraïs de famille impériale qui ont été très importants pour moi, mais je pense pas que les mots Tsuka soit responsable de ma promotion au sein de la 13e Légion. Je pense que la générale a identifié en moi les valeurs du clan du Lion et préfère peut-être se reposer sur quelqu'un dont elle a 100% confiance et qui quelqu'un qui soit capable de lui ramener ceci. Et je lui montre la bannière ennemie. Mon Dieu, quelle horreur! Mais toutes les félicitations. Vous êtes un futur général de grand talent. Pourquoi je me sens sale quand il parle? Mais ouais. Yeah. Je me sens sale quand il parle. Attends, je vais mettre un petit descriptif. Tu te sens sale. Du coup, on va arriver à la tente rapidement. Hein. Oui. Je vais pas lui tailler la bavette pendant 25 ans, hein, à ce gars-là. En tout cas, il te propose ses services et que si tu as besoin qu'il t'envoie quelques hommes dans ton armée, il se fera un plaisir de te porter assistance pour quoi que ce soit. Je lui dis que... Connaissez-vous l'esprit que je souhaite donner à la 13e Légion, Yogo Reiki-sama? Oh, je présuppose un esprit de victoire. En effet, mais j'ai un rôle qui... Je prévois de lui donner un rôle au sein de l'armée qui soit capable de remplacer un certain nombre d'autres légions. Ces légions-là sont amenées à d'autres à un devoir éloigné ou détruite ou autre. Ainsi,
nous sommes prêts à prendre la première ligne d'une attaque, comme les légions de Saint-Lourd. Nous sommes capables d'aider à la logistique, nous sommes capables d'aider... Vous voulez dire que vous voulez être une armée à vous tout seul ? Bon, je n'irai pas jusque-là, nous n'avons pas tous les talents non plus, nous pourrons difficilement remplacer la légion des Shugenja, et ainsi que... je sais pas... celle des ingénieurs, enfin je vous donne 2-3 autres légions, mais... Toujours est-il que j'aimerais bien avoir de nombreux talents au sein de ma légion. Mais vous saviez que depuis que qu'on vous a confié le reste de la 9e légion, vous êtes une des légions les plus peuplées ? J'en doute pas. Dans tous les cas, je serais ravi si vos hommes sont prêts à partager quelques-uns de leurs savoirs avec certains de mes hommes. Afin que nous puissions au sein de pour l'Empire de talent de chacun. Vous savez bien que le clan du Scorpion a toujours été un clan de partage. Et nous serons heureux de vous apporter toute l'aide, le soutien et autres qui pourraient favoriser votre développement et l'amitié entre les clans. Le clan du lion a souvent partagé avec le clan du scorpion. Oh oui. Et nous n'oublions pas. Oui. Sur ce, je vous laisse à vos besognes, mais sachez que ma légion et moi-même sommes à votre service pour le bien de Rokugan. De l'Empire. Gros bisous, au revoir. Allô. Oui. Ok, bon voilà, du coup, Captain, tu peux les rejoindre. Enfin voilà, vous êtes tous réunis. Bah, moi, du coup, pendant qu'ils ont cette discussion là, je préviens Captain que l'ordre de notre Taïsa est d'interroger et de faire parler les hommes à tout prix, mais ils doivent parler. Et être capables de parler. Bah, en gros, de toute façon, une fois que tu as dit ça, moi je vais arriver et je vais vous dire que j'ai eu la visite de Yogo Reiki-sama, le responsable, voilà. Et essayons de faire sans, mais si vous voyez qu'ils ne sont pas capables de parler, n'hésitez pas à faire appel à ses services, mais... Je veux que des hommes à nous et de confiance soient toujours présents. Non, jamais. Alors, comment tu t'y prends ? Pour interroger ? Ah bah déjà, avant de commencer à interroger les prisonniers, je discute d'autres problèmes avec notre Taïsa et puis du coup, les autres joueurs aussi s'ils sont là. Bah, tout le monde est là. Oui, je pense. Je pose sur la table la dague de l'assassin, le poison qu'il préparait, la liste de noms. Et je pense, Tessasama, que nous avons un autre problème. L'avez-vous tué ? Hélas, je n'en ai pas eu le temps. Quelqu'un d'autre l'a fait à ma place. Il semblerait qu'il y ait un autre assassin qui se promène dans nos armes. Ah, j'ai vu un documentaire animalier là-dessus, des serpents qui mangent des serpents. Êtes-vous certain que ces éléments n'ont pas été posés là par l'autre assassin pour détourner l'attention dans les espoirs de... Non, certain. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Ida Kuyonyu? J'ai attrapé le premier assassin, enfin. J'allais attraper l'assassin alors qu'il tentait de pénétrer discrètement dans la tente de. d'Oji Ito. Ça va. Et. Que s'est-il passé alors? L'autre assassin est intervenu avant que j'ai pu l'attraper. Et l'avez-vous identifié du coup? Non. L'assassin? Je n'ai pas pu voir son visage. Enfin, le premier, celui qui est mort. Oui, un certain Teruki. Un Aimin. Il semblerait que les mines que nous avons trouvées dans la caravane le côtoyaient. C'est pour ça que j'étais parti l'interroger. Quoi. Et pourquoi a-t-il assassiné cette mine ? Il n'a pas assassiné, il le côtoyait. Mais alors, les mines qui a été retrouvées assassinées, pourquoi est-il mort ? Vous savez où ? Non.
Malheureusement, j'ai pas pu trouver de traces, quoi. En fait, je suis tombé sur le Teruki parce que ses affaires avaient disparu. Et... deux possibilités. Soit les mimes en question avaient découvert que son voisin était c'est pas ce qu'il prétendait être, soit c'était l'assassin l'avait dans cette zone. Je pense qu'il y a peut-être une autre version. Très bien, je vous écoute. Je pense que les deux qui sont morts travaillaient ensemble. Ils auraient tous les deux été victimes de cet assassin numéro supplémentaire. Oui. Et l'assassin qui s'en est pris à les mines avait visiblement les traits samouraï. Clairement, malgré le fait qu'il agisse dans l'ombre. Et comment a-t-il éliminé ce Teruki? Promptement égorgé. De toute évidence, Teruki est la personne qui a tué Makoto Oda-sama, et que l'assassin qui a tué faisait un autre de sort de magie et de discrétion. Je pense que les deux viennent de la même ont le même but, et que le premier, peut-être meilleur, a voulu se débarrasser d'un témoin gênant. D'un témoin gênant, effectivement. Le fait est que pour savoir si la Teruki a effectivement assassiné le général, il faudrait éventuellement faire expertiser le poison. Quoi. Mais ce n'est hélas pas dans mes compétences. Quoi. Pour aller voir Azaina Yoko, elle pourra peut-être voir des pistes. Et vous disiez qu'il avait une liste de noms. Quels étaient les noms sur sa liste? Ah bah elle est sur la table, là. Donc tout le monde, hein. Donc il y a Tassama, votre nom y figure. Oui, bah, quelque part c'est la raison de la gloire. Hein. Oui. Non, je pense qu'en fait il y a toutes les grosses têtes dessus, quoi. MJ, tu peux me la coller? Copier-coller? Non, parce que c'est je lui ai dit à voix haute, en fait. Oui, mais on a le papier à... Ouais, bah toutes les personnalités, pour faire simple. Bon, tous les Shui et tous les Taïsa? Ouais, les Shui et les Taïsa, ouais. Ah, donc là, je vais faire une démonstration comme quoi, c'est pas si important, parce que sinon, il l'aurait écrite. Voilà. Il y a peut-être juste la flemme. Non mais moi, je l'avais écrite, toute ma lettre, hein, vous l'avez pas demandé, voilà, c'est tout. Mais ok, bon, y a beaucoup de noms, quoi. Oui. Voilà ce qui te répond. Est-ce que sur sa liste, il y a les noms de celui qui s'est fait assassiner par... Enfin, qui est tué par un chariot? Non. Non, celui-là, j'ai malheureusement rien trouvé, quoi. Il semblerait qu'il était relativement à l'écart et solitaire. Donc, hélas, peu connu par les autres Aimin. Ouais, ça fait quand même beaucoup de noms. Hein. Oui. Cet homme était un Aimin. Les deux. Ou se faisait-il passer pour un Aimin? Après la liste ne veut pas forcément dire que ce sont des gens à assassiner. Hein, non plus. Bah, c'est vrai, vous avez une liste de courses. On a une liste de noms, mais ça veut pas dire que ce sont des gens qu'il faut assassiner. Ouais, bon, après, à mon avis... C'est quand même relativement... Selon toute vraisemblance, ça semble quand même être ça. Hein. S'il y avait Akodo Oda et qu'il est barré dessus, tu te dis, tiens... Non, tu l'avais pas, mais tu sais qu'il y avait des choses qui avaient brûlé là-bas, Captain. Ah ouais, ça j'ai oublié de vous dire, ouais. Donc il y avait d'autres parchemins aussi, mais bon. Ah. J'ai pas pu tout récupérer. Mais si je récapitule, Ida, ça va, pouvez-vous nous expliquer nous décrire comment s'est passé l'assassinat de ce Teruki? Et votre capture puis son assassinat? En fait, c'est tout simple. J'enquêtais sur la mission que vous m'avez donnée, tout simplement, hein, de retrouver le meurtre qui a eu le cadavre qu'on a retrouvé dans notre caravane.
quand on m'a fait la remarque, je suis chariot, voilà. Voilà. Le chariot. Quand on m'a fait la, quand les amis m'ont fait la, la remarque que le... la personne était solitaire et qu'elle côtoyait un... une autre personne solitaire du nom de Teruki. Je cherchais les affaires aussi de... du premier, qui n'ont hélas pas pu être retrouvées, disparues, soi-disant. Du coup, en cherchant la deuxième personne, j'ai trouvé un petit campement dans les tentes où on m'a dit que cette personne se trouvait. C'est là que j'ai trouvé d'ailleurs tous ces... cet attirail. J'ai suivi les traces de pas qui passaient entre les tentes discrètement et je suis arrivé à la tente de, d'Uji Ito, où l'individu s'apprêtait à ouvrir le côté pour rentrer et s'en prendre un autre chouï. Ah, je me suis empressé... d'essayer d'attraper le bonhomme quand une ombre a surgi, en fait. Derrière une autre tente, l'a égorgé et s'est enfui. Je lui ai couru après, mais bon. La personne, en se glissant de tente en tente, je l'ai perdu. Mais bon, il m'a été permis de voir de... une personne assez vieille, forte, athlétique, et au trait Rokugani. Assez vieille? Ouais, je dirais la cinquantaine. Ah oui. Ah, il a bien réussi ses jets, hein. Il a fait l'attraper. Ouvrez l'œil et n'hésitez pas à regrouper, à noter toutes les personnes qui pourraient correspondre à cette description. Genre Otomo Yoka. Mais... Il est déjà sur vous la liste. Vous l'avez jamais vu se déplacer rapidement, lui. Ouais, mais tout le monde oui, peut faire. Hein, c'est l'idée. Hein. Ouais, justement. Oula, ça peut être aussi Yoko Reiki, tu vois, un truc dans le genre. Ça pourrait, effectivement. Moi, je sais, c'est Doji Ito qui a fait ça. Exprès. Oh putain, ouais. Mastermind. Ouais. Bref, voilà. Donc, sinon, oui. Allons interroger. Ouais. Ok, bon, vous avez 10 gars dans l'idée, aligné en rondognon. Alors, moi, je vais vous laisser faire, hein, Ida Gyonyu-sama. Je te cache pas que c'est pas du tout le trip de mon personnage, hein, mais bon. Ah, mais elle le montre pas, parce que c'est... T'as le droit d'aller chercher les 2-3 crabes qui étaient avec toi. Je pense que dans l'eau, t'en as bien un qui doit savoir, tu vois. Tu vas avoir une idée de comment on s'y prend. Bon, bah, effectivement, du coup, effectivement, si je vais poser la question, bah, je sais pas, le camp du crabe, c'est commun qu'ils interrogent des gens de façon un peu brutale parfois. Tu vois la petite image que je t'ai montrée là, Shintao, il dit, ouais. Faire Shintao dans ta tête. Bah, voilà. Ah, c'est... Vous êtes pas brutal pour interroger, vous êtes brutal même pour discuter, donc voilà. De base. En fait, clairement, ils vont te dire, quand on a des prisonniers, bah. On les envoie par exemple au Cuny. Les Cuny les interrogent en général, ils font tellement flipper qu'ils parlent. Ah bah je vais regarder si on en a de ces gens-là parmi nous alors. Non, on en a pas. Ah, pas de chance. Après si tu penses que t'en es pas capable. Bah j'ai. Tu peux aller voir l'autre, hein. Moi je t'ai confié une mission. Hein. T'as le droit après, d'aller demander de l'aide, hein, mais. Eux, ils savent interroger comme ils interrogent un renin. Hein. C'est-à-dire que vas-y, un petit coup dans le ventre, parle, un petit coup dans les gencives. Là, c'est des petites choses comme ça après. Bon, bah ok, je vais essayer de le faire moi-même. Alors, j'ai la compétence d'intimidation, j'espère que c'est là-dessus que ça marche. Oui, bah oui. Tu le fais devant public ou pas? Bah non. Ok. Clairement, je t'aurais interdit de le faire en public, hein. Mais. Bon bah... Toujours dans le principe d'avoir une 13ème légion propre, tu vois. Oui, mais de toute façon, un tour 14, ça se fait pas dans la rue, surtout si en plus il y a un assassin qui rôde dans le coin qui supprime les éventuels témoins. N'hésite pas à séparer les prisonniers en fait, pour qu'ils soient plus stressés. De toute façon, je les interroge plus ou moins un par un, quoi. Donc, ouais, y a pas de souci. Dans une tente prévue à cet effet, y a aucun problème. Tu m'écris juste comment tu veux t'y prendre. Par contre, du fait de l'assassin qui rôde, je fais monter la sécurité. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des mines qui s'approchent de la tente, des trucs dans le genre. Quoi. Okay. Ou des prisonniers, quoi. Du coup, tu veux faire un jet d'intimidation sur les gars, c'est ça? Bah, oui.
Donc tu utilises la force, c'est-à-dire genre tu prends un tetsubo, tu éclates un vase à côté d'eux avec, ou un bout de bois, tu dis tiens. Non, plutôt la volonté quoi. Je les secoue, enfin je les secoue un peu mentalement. J'essaie de leur parler dans leur langue, en leur montrant que moi pas content, moi tapez-vous si vous pas pour répondre à mes questions. Ouais, mais justement, enfin, moi bonjour. Pas tapez-vous, tu utilises ta force, tu dis tu vois ça c'est mon biceps, il va défoncer la gueule. Si tu veux utiliser la volonté, c'est tu vas essayer de le cuisiner, de le cuisiner, de le cuisiner. Enfin tu vois c'est. C'est l'approche en fait qui diffère. Bah, la volonté plutôt. La volonté. Donc clairement tu veux les cuisiner. Ok. Ouais. Donc volonté plus interrogatoire. Alors attends, interrogatoire c'est une sous-compétence de. Je crois que c'est courtisan. C'est une spécialité. C'est une spécialité de. Pas de courtisan. C'est pas d'étiquette. Ou étiquette, t'en fous. Enquête peut-être, enquête même. Ah, enquête, ouais. Enquête, je pense plutôt. Ouais, merci, ouais. Voilà. Donc, bah voilà, tu fais enquête plus volonté. Ok, faut que j'utilise un point de vide alors. Oui. Ah, donc, dans la première que je t'ai envoyée, tu as. Comme je te l'ai mouché la dragonne, oh là là. Alors, ouais, enquête, perception, interrogatoire, mais là tu as utilisé volonté au lieu de la perception. Donc, enquête. Voilà. Et t'as aucun malus du fait que tu parles leur langue. Ah, mais attends, après je l'ai fait dans mon chat. Ah oui. Oui. Attends. Ok. Je vois le résultat. Bon, clairement, ça parle. Hein. Bien joué. Ok, alors, je te fais le point de vue général. Hein. Ils ont tous parlé plus ou moins et tu réunis les infos. Ce que tu sais. Bon, t'as pas de l'élite, hein, t'as pas des gardes haut placés, t'as que des soldats. Les soldats te disent tous plus ou moins que leur chef s'appelle le Khan, le Grand Khan, ou comme ça. Enfin, c'est un mot un peu bizarre, c'est comme ça que tu le traduis en fait. Ça veut dire une sorte de grand chef. Tu peux l'appeler le Kaïd, le Khan, enfin tu vois, toi qui vois après le terme que tu traduis. Ouais. Est accompagné d'une Rokugani depuis plusieurs semaines, plusieurs mois en fait, c'est qu'il essaie de diriger les terres du sud, voilà, et qui voudrait dominer, enfin il a promis à les gens qui le suivent qu'il allait dominer le territoire Yobanjin. Et tu sais, ils t'ont dit que ouais, Yobanjin, c'est pas mal de petits villages, de petites tribus plus ou moins indépendantes. Ils font la guerre, etc. Il y a quelques hordes, comme là, ce grand chef, là, ce Khan, a décidé de monter. Donc c'est pour ça que c'est très assez rapide et assez nomade. Il te dit que lui, il est originaire du sud, enfin eux sont originaires du sud. Que dans le nord de Yobanjin, c'est très mystérieux. C'est là où il y a quelques cavaliers dragons, ce que tu as pu voir pendant la bataille, et des gens qui des chevaucheurs d'animaux, de dragons plus hauts, plus forts, enfin tu vois, c'est tout ce qui est vraiment mystérieux et puissant près dans le nord en fait, près de montagnes du nord. Mais ce qu'ils connaissent eux, c'est la ville des cinq tribus, la ville des cinq rivières, qui est une sorte de lieu de passage en centre des terres qui est et pour eux ce qui représente on va dire une sorte de carrefour en fait des terres Yobanjin. Voilà à peu près toutes les informations que tu as pu glaner en les interrogeant sur à peu près tout. Comment ils ont su que vous nous attaquez, voilà, comment c'est nous attaquer poser, ouais. Eux ils le savent pas, je veux dire eux on leur a dit de venir là, ils ont juste obéi. Ils ont pas une rumeur, il y a pas quelqu'un qui a entendu quelque chose. Bah, leur chef est pour eux. Il a promis qu'il allait conquérir Yobanjin et pour l'instant, voilà, il nous a fait descendre là. Et puis... le chef qui a mené l'attaque, c'est pas le même chef qui est à la capitale, enfin à la ville des Cinq Rivières et qui est accompagné d'une Rokugani. Non, 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 c'est un nouveau chef indépendant, si on peut dire. Qui domine, on va dire, un peu les steppes du sud. Voilà, c'est... En gros, il a été envoyé par le Khan pour... voilà, quoi.
Ouais, c'est payé, une sorte de borne, quoi. Il a été payé ou envoyé pour ça, quoi. Ah, eux, ils savent pas. Eux, on leur a promis richesse, pillage et... Volupté. Volupté. La plupart sont issus de petits villages un peu épars, un peu, tu vois, où ils sont tous plus ou moins indépendants. Lui est arrivé avec une grosse troupe, il a dit soit vous venez avec moi, soit vous venez pas. Certains t'ont dit qu'ils ont été pris de force. D'autres se sont dit bah ouais, moi j'avais envie d'aventure, je suis parti avec eux quoi. Et voilà, quelques-uns t'ont dit qu'ils sont allés dans cette grande ville, les carrefours des cinq tribus, qui est une très très ancienne dans l'idée, avec des murailles, qui est pour eux, on va dire, un centre culturel, politique, quoi, mais que voilà, tous n'y vont pas parce qu'il faut y aller, mais pour eux, c'est leur capitale, quoi. Enfin, bien, c'est eux ce que tu comprends d'eux. Hein. Je dis toujours ça parce que, voilà, tu parles pas totalement la langue, tu la parles oui, bien, et en même temps, eux, c'est du pécor aussi, hein, donc. Voilà. Là, ils t'ont décrit, genre, ouais, il y a un marché, il y avait machin, ils vendaient ci, on pouvait acheter des lézards. La ville dont ils parlent, c'est pas celle qui est plus au nord, quelques semaines de marche ? Si, c'est ça. Ok, bah, qu'ils me décrivent pour ceux qui y sont allés, la ville. Donc, du coup, ça m'intéresse beaucoup. Ouais, bon, t'en as deux, ils te les décrivent, mais bon, ils te disent. C'est fortification, ce qu'ils ont vu, quoi. Fortification, porte. Voilà, ils t'ont vu qu'il y a des grands murs avec des grandes portes. Il y a quelques quartiers différents dans la ville. Il y a un bazar. Enfin, un bazar. Les quartiers sont fermables, isolés des autres. Oui, il y a des quartiers fermables. Et voilà, enfin, c'est. Il peu, mais après tu sens, voilà, c'est pas des stratèges, ils ont pas observé, ils étaient très émerveillés, hein, pour eux. Non, mais c'est les gros détails, je m'attends bien que je m'attends pas à voilà, mais c'est pour ça que je posais. C'est construit en dur. Là, il t'explique que voilà, il y avait de la pierre. Pour eux, c'était énorme. Plus pour très longtemps. Get power! Demande-leur où est-ce qu'il y a une forêt dans le coin. Ouais, il y a des forêts dans le secteur? Non, là, c'est des steppes, que dalle comme forêt, il faudrait aller dans le nord. Et pour ça que dans la grande ville, il y a des gens qui achètent du poids. Parce qu'en fait, il y a surtout des grandes montagnes et des grandes forêts dans le nord. Et du coup, bah, il y a beaucoup de choses mystérieuses. Il y a même des oiseaux qui viendraient des montagnes gigantesques. Et il y en a un qui te dit qu'il a vu. Il a vu des immenses wyrms, donc une sorte de dragon en fait. Enfin, parce que toi, tu traduis par dragon. Une sorte de gros lézard volant, chevaucheur dessus, il paraît. Ah non, c'est ça que j'ai buté, moi. Voilà. Il te dit, voilà. Bah, après, ça te paraît toujours un peu mystérieux. Hein. Mais voilà, en tout cas, il te dit que beaucoup de choses, ces choses-là viennent du nord à l'origine, quoi. Dans les territoires nord mystérieux, et que le sud, c'est surtout un territoire rempli de tribus éparses. Ok, donc le nord semble plus civilisé que le sud, quoi. Alors, quand tu dis civilisé, ça dépend. Bah, s'ils ont des maisons en dur, je veux dire, c'est que c'est une trace de civilisation quand non, même. Non, alors lui n'est jamais allé. Après, pour lui, ça reste des tribus. Bah, c'est des tribus qui se déplacent, et pour le nord, il connaît pas, il sait juste qu'il y en a qui sont descendus. Il y a une sorte de capitale au milieu du territoire, et qui réunit tout le monde. Mais après, le nord a l'air mystérieux, mystique. Pour lui en fait, et un petit peu badass avec certains trucs, quoi. Ok, vous avez d'autres questions à poser? Moi, je sais pas, tu devrais peut-être poser la question en fait. Si ils ont plus de détails en fait sur la Rokugani en fait, qu'est-ce qu'ils savent de nous au niveau physique ou je sais pas quoi. Moi, je voudrais savoir quand est-ce qu'ils sont venus les chercher dans leur village pour être recrutés. Ouais. Il y a combien de temps que vous avez été recruté dans le sein de votre grande armée? C'est pas tous la même réponse. Hein. Certains sont avec lui depuis un an, d'autres depuis 2 mois. Mais en gros, ça fait... Le plus jeune, il a 2 mois, le plus vieux, il a 1 an, quoi. Depuis combien de temps est-ce que le Khan ou la personne qui dirigeait cette armée a dit qu'il allait reconquérir Yobanji? Ah, alors là, ils réfléchissent. Ah, ça devait être il y a 2 ou 3 mois.
Et vous êtes dans l'armée depuis 2 ans? Le plus vieux, il est là depuis 1 an. De ce qui a survécu, et voilà, et qu'est-ce que tu veux lui dire? Bah, je me demande pourquoi il est... Ah bah, pour le pillage, parce que la vie dans la forêt, c'est chiant, enfin, dans les steppes, c'est chiant, et que quand il y a moyen de piller et de revendre tout le reste après, ça l'intéresse. Et sur nous, ils savent quoi exactement? Vous êtes des connards prétentieux qui avaient chassé leurs ancêtres de territoires très gras et on pouvait sourire facilement. Pas faux, hein. Donc, il résume par des connards. Des salauds de colonialistes ou des envahisseurs. Qu'est-ce qu'il sait d'autre sur la femme de chez nous qui accompagne son maître? Alors, ils savent pas grand-chose sur elle, si ce n'est qu'elle le colle depuis plusieurs mois. Ils savent pas quand est-ce qu'elle est arrivée exactement, mais en tout cas, quand elle était là... Ouais, elle ressemble. Et ils n'ont jamais vu son visage, ils savent juste que c'est une femme. Voilà, ses habits. Elle a toujours été voilée. Est-ce qu'elle a déjà fait de la magie devant la vous? La couleur de ses habits. Elle a jamais fait de magie devant eux, elle a toujours des vêtements blancs, elle a les cheveux noirs, il semblerait, et la peau assez blanche. Un voile blanc seulement? Est-ce qu'elle a des armes? Ils n'ont jamais vu une arme. C'est peut-être pas une samouraï. Ouais, c'est peut-être une shugenja qui un voile blanc, mais des habits dessous. Ouais, c'est très assez ample. Hein. Après, ils sont pas très peu l'approcher. Hein. Elle est toujours à train dans la tente de leur chef. Et c'est à côté d'elle. Est-ce qu'elle se déplace un petit peu comme une tente religieuse? Ça, ils peuvent pas te dire. C'est bizarre comme question, quand même. Ça aurait pu être un grand maître chinois. Bon. Référence au générique de Cannes Survivant ou... Non, c'est référence à Kaamelott. Ah, d'accord. Et du coup, ouais, je pensais plutôt... Si c'est une samouraï, je parierais pour un yogo. Allez, je mets un zénith là-dessus. Du coup, autre chose, il te demande ce que vous allez faire d'eux. Est-ce qu'elle est exécutée, si vous allez les manger. Je vais transmettre les informations... Ce n'est pas à moi d'en décider. À la générale, et puis si ça lui va, je lui demande ce qu'on fait des prisonniers. Hein. Et moi, ce que je veux faire, c'est récupérer la Kitsu. Ouais, bah tu l'as récupérée, elle est déposée chez vous. Je l'installe dans ma tente. Ok. Tu la regardes, tu vois qu'elle est installée, elle regarde en l'air, elle regarde en bas, elle regarde à droite, elle regarde à gauche. Tu vois, elle a l'air vachement déconnectée de la réalité d'un coup. Oui, bah, je me doute. Je l'installe là, puis après... Donc en gros, une fois que j'ai fait ça, je vais voir la générale, et puis je demande à... Avec Ida... qui a fait parler machin et je demande à Ida de retransmettre des infos machin et après une fois que c'est fait je demande à la générale qu'est-ce qu'elle veut qu'on fasse des prisonniers. Est-ce qu'elle veut que je les soumette à la... On peut poser des questions encore aux prisonniers. Bah vous pendant ce temps-là oui. Aussi. Ils vont poser des questions sur les effectifs en fait de l'armée. Ils ont beaucoup. Non mais est-ce qu'ils ont des machines de guerre? Est-ce qu'ils ont des archers? Est-ce qu'ils ont ce genre de choses? C'est pas des stratèges, hein. Ils se battent. Bah, est-ce qu'ils ont vu des... Bah, des machines de guerre, ils en ont pas vu. Ils ont vu des chevaux, des lézards, des choses comme ça, ce qui était énorme déjà, des sortes de varans. Certains n'avaient jamais vu. Qu'est-ce qu'ils ont vu d'autre? Non, c'était surtout de l'archerie et de la cavalerie. Non, d'ailleurs, le Kang a raflé énormément de chevaux depuis 3 mois. Ouais, on va demander au forgeron de forger des nodachis. Voilà, la générale, tu as transmis toutes les informations. Elle te dit très bien, les prisonniers sont sous ta responsabilité. On
verra lorsqu'on nous serons arrivés dans cette ville de Yobanjin, dans l'idée. Si on peut pas les échanger ou trouver une solution, voilà, on va garder les prisonniers pour l'instant. Libre à toi de les de t'en occuper. Il t'a dit que le... ils sont tous habillés. Ils sont tous habillés pareil, les... Oui. Ouais, on les a fouillés, en fait. Oui. Ils n'avaient pas d'armes. Ils n'avaient pas d'armes, parce que ce sont quand même des soldats qu'on a... Bah, ils ont perdu la bataille, du coup, vous n'allez pas laisser leurs armes. Oui, on les a foutus au poil. Enfin, voilà. Idée, militairement parlant. D'accord. Du coup, j'étais ok, donc voilà, donc on va célébrer à Kodo Oda et sa 9e Légion, et puis on va partir après, le lendemain, voilà, donc il semblerait qu'il y ait peut-être un peu moins de... Enfin, il sait pas exactement combien il y a de routes, mais on va tracer en ligne droite, là. Toi, t'as vu qu'il y avait une sorte de pseudo-chemin hein, qui passait de là où vous êtes vers une ligne droite, du coup... Obi, tu lui as pas parlé des assassins, là, et tout ça? Si, il faudrait, ouais. Si, bah, t'es là, vas-y, fais-le, c'est toi qui l'as trouvé, tiens-en de la gloire. Je l'ai fait sous tes ordres, hein, dire, c'est juste parce que voilà, quoi. Bah, déjà, elle est impressionnée, elle félicite Ida Konyu pour l'interrogation. Je l'ai félicité aussi. Mais non, mais pour ça, elle félicite la 13e déjà. Ouais, moi je lui parle du coup avec les infos là. Le problème c'est que si on. Enfin, je réfléchis, hein, mais en termes de stratégie, aller au plein milieu d'une ville et la prendre enfin, faire un siège autour de la ville, alors que c'est précisément le centre de toutes les routes du pays. Fait qu'à mon avis, on sera peut-être un petit peu... Encerclé, tu veux dire? C'est ça, rapidement. je trouve ça aussi stupide, mais bon, c'est... voilà, du coup, je me demande si c'est la meilleure stratégie, si elle prévoit en fait d'y aller direct, et voilà, ou est-ce qu'elle prévoit quand même d'essayer de mater les défenses qu'il y a un peu autour avant, quoi, ou un truc dans le genre, quoi. Parce que, ce qu'elle prévoit, c'est d'avancer le plus rapidement possible. On va prendre la ville le plus rapidement possible et ensuite repartir tout de suite, attaquer avec les informations qu'ils auront eues sur les différentes positions. Parce que là, ils ont peu de positions à part cette ville-là. Plutôt que de errer, de perdre du temps, de la fatigue, de la nourriture qu'ils ont, qui diminue assez rapidement, et elle veut foncer le plus vite possible vers ce point-là, qui est de toute façon un point stratégique et qui en plus permettra peut-être d'avoir des ressources. Et ensuite, de repartir en laissant une garnison, mais de repartir avec l'armée, pour attaquer, on va dire, d'autres territoires qui seraient, du coup, avec les informations qu'elle a. Pour elle, sa stratégie est basée sur la rapidité et la force d'action. C'est une guerre éclair, quoi. Voilà, une Matsu. C'est pas con. Ça, pour le coup, ça va. Ça se déforme un peu plus que le siège long d'une ville. Pour présenter sous cet angle, ouais, mais il faut espérer qu'on arrive à prendre la ville rapidement, quoi. Ah, je vais lâcher un point de vide, ça va aller. On a été attaqué déjà à la sortie de alors qu'ils nous attendaient. C'est impossible qu'il y ait des armées qui soient bloquées plus loin, qui nous attendent, quoi, ou voir qu'ils soient prêts à reprendre la ville ou à défendre la ville si besoin, quoi. C'est ça qu'il faudrait déjà savoir avant d'attaquer la ville. Je dis ça comme ça, mais sérieusement, une ville qui est le carrefour de pas mal de chemins, c'est très souvent une ville qui est assez fortifiée. Hein. Donc, niveau bataille éclair, ça va être. Oui, mais. Un peu moyen. C'est une question de longueur de siège. Hein, après, s'il n'y a pas d'oie, on peut se les faire pendant la nuit. Hein. On marche sur le pied de Ida Konyu, on lui dit c'est en face qu'il faut aller, et puis vas-y. C'est eux et le mur, elle le casse. Hein, voilà. Bah, j'en sais rien, mais si c'est un centre, il peut y avoir par exemple beaucoup, beaucoup en fin de compte de civils aussi. Oui, bah en même temps, ils sont civils et ils sont au Banjin, et ils ont fait deux mauvais choix dans leur vie, tant pis pour leur gueule. Je dis pas ça dans ce sens-là, mais c'est-à-dire que il peut y avoir beaucoup de civils dans le genre, peut-être pas mal de gens aussi qui se déplacent sur les chemins.
Donc niveau arrivée furtive, bof. Oui, ah oui, donc non, faut avouer ça, que le côté discret va être compliqué à ce niveau-là. Non, c'est pas trop le. Ils savent déjà combien de toute façon. Hein, oui, clairement, bah, c'est pas sur la discrétion, elle. Hein. Clairement. L'idée. Après, si c'est un carrefour qui a 5 routes, 5 rivières, 5 machins, ça veut dire qu'il y a des portes quand même, il y a des points faibles, il y a des. C'est un lieu d'échange, et donc voilà, ça, à mon avis. On sera probablement, même si on est dans une situation un peu bancale, on verra les gens arriver derrière nous. C'est quel genre, en fait, de terrain? Il t'a dit, c'est des plaines. Plaines et de la steppe. Step. Donc très peu d'arbres, en fait. Pour la, step là vous êtes, by step. Ouais, très peu de couverts aussi. Vous avez pas la bonne nouvelle, c'est que les attaquants, on les verra venir de loin si on retombe dans des embuscades, ah, oui. Ça. Ouais. Voilà. À moins que vous ayez des questions. Non, mais du coup, bah, vu que j'ai la corde au pied, bah, j'en parle à la. Alors enfin, on les voit de loin, mais ils nous voient de loin. Ouais, je donne mes découvertes sur les assassins, quoi. Alors ça, elle est très. Ça la conforte sur ce qu'elle sait. Et elle te dit clairement à la 13e Légion, du coup, d'enquêter là-dessus et qu'elle. Qu'elle ait besoin de. Elle a besoin d'hommes de confiance et du coup pour l'instant on ne peut se fier qu'à très peu de personnes. Et du coup elle aimerait que vous enquêtiez afin de remonter la piste s'il y a besoin ou seulement c'était que quelques émines assoiffées de vengeance. Bah visiblement l'assassin qui a assassiné le premier assassin était un samouraï vu sa corpulence. Ouais. Elle vous dit bah il vaut mieux le retrouver avant que réitérer l'action. Et il te demande pourquoi par contre il a cet assassin et si tu es l'autre assassin. Ah là tu es l'autre assassin. Bah du coup je lui donne notre hypothèse hein. Soit il travaille pour un autre clan ou alors il a voulu éliminer ses potes parce qu'ils ont été découverts. Ouais, des témoins gênants qui pouvaient le. D'accord. Remonter à sa piste. Quoi. Bon bah. Elle, voilà. Ou alors il y a la troisième option que j'y crois pas trop, c'est une tierce équipe qui essaie de protéger la Légion mais de son côté. D'accord. Bah, elle te demande d'avoir des certitudes. On peut se baser que sur des certitudes. Mais okay. Si le but est de protéger la Légion, pourquoi ne pas en avertir la principale personne concernée? Ils ont peut-être leur propre motivation. Bah, après, comme dit, c'est pas celui-là, j'y crois pas trop, parce que ça un peu tarabiscoté après, quoi, mais c'est tout à fait possible. Ça expliquerait pourquoi il y avait un cadavre dans le premier truc, parce qu'il a très bien pu choper le premier en train de faire sa badouzone, genre vouloir empoisonner peut-être l'équipement de d'Ikomake ou des trucs dans le genre, tu vois, et du coup, il l'a éliminé, quoi. Après, il était en train de fouiller dans nos affaires perso, donc peut-être qu'il a essayé d'empoisonner des affaires ou de voler des affaires. Ouais, et du coup, il s'est fait tuer parce que le deuxième l'a chopé, quoi, mais c'est. Non, complètement. Complètement juste entre nous, faut pas oublier ce qu'il était censé y avoir dans les affaires. Ouais. Peut-être qu'il a ouvert, peut-être qu'il a ouvert le coffre et que du coup dans le coffre il y a un mec énervé et du coup le mec énervé l'a buté. Oh mon dieu, prends le truc après. Une âme à la con. Après, fantôme, j'en sais rien. Oubliez pas que si vous me dites ça, je suis pas au courant pour le coffre. Ah, c'est pour ça que je disais entre joueurs. Ouais. Voilà, à moins que vous ayez des questions, moi j'avais terminé. Et on fera la suite prochaine. Ok. Ça marche. Ça roule. Voilà, après si vous avez des conjectures, n'hésitez pas, c'est bien. Mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Moi je crame tous les scorpions et tous les phénix. Voilà. Tout de suite. Ah là là. Enfin, tous les Izawa, parce que bon, dans les Shibas, on doit en avoir des biens, quand même. Et ouais, carrément. On a des biens. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, et puis merci les gens de nous avoir écoutés. Oui, je vais arrêter, du coup, l'enregistrement et la diffusion, mais il faut que je trouve le logiciel. Voilà. Au revoir, les gens.